Quand je lui dis que j'ai pas trouvé plein de girafes avec, elle me dit que bah, c'est presque pas tout. I think in so there things are different. La réduction des risques, c'est pas mon problème, moi, ça m'intéresse beaucoup. Quand j'étais venu avant, la deuxième, ça va. Bonjour. Alors cette présentation aurait dû à l'origine être réalisée par Benjamin Roland, qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc je le remplace au pied levé et j'ai pris même quelques petites libertés par rapport au programme initial qui devait s'intéresser qu'à une seule étude de pharmacovigilance. Et bon, n'étant pas médecin, je vous remercie pour votre indulgence sur la première partie qui est un peu compliquée pour moi. Les données de pharmacovigilance concernant le baclofène, alors d'abord mes liens d'intérêt ainsi que ceux de l'association, bien évidemment avec ce cardiologue qui m'a permis de retrouver vie, est identique, hein, l'association n'a aucun autre lien d'intérêt. Alors, aux origines du baclofène, cette molécule a été synthétisée effectivement au tout début des années 60 et elle avait été élaborée en vue de traiter l'épilepsie, ce qui finalement ne s'est pas avéré très efficace. Et à partir de là, démarre un peu la saga du baclofène, c'est qu'au lieu de traiter l'épilepsie, elle s'avère efficace sur la spasticité. Et sa commercialisation a démarré au Royaume-Uni en 1966, puis elle s'est étendue dans le monde entier au début des années 70, la France ayant emboîté le pas en 1975. On a donc une bonne quarantaine d'années de recul sur une molécule dans une prescription neurologique. Ces indications d'origine, puisqu'on va parler tout à l'heure juste après de la sclérose en plaques, mais ces indications d'origine concernent toute liaison encéphalique ou médulaire de la voie cortico-spinale, je ne m'étendrai pas là-dessus, à savoir les AVC, les paraplégies, les scléroses en plaques et les traumatismes crâniens, et selon les indications que vous pouvez voir ci-dessous, ce qui fait que même si je vais un petit peu m'attarder sur la sclérose en plaques, l'utilisation de ce médicament est aujourd'hui relativement large. La spasticité, en effet, concerne aujourd'hui 12 millions de personnes dans le monde, et la sclérose en plaques touche 2,5 millions de malades. Ce sont 400 000 en France, entre 400 000 en Europe, entre 70 et 90 000 en France. Et les deux tiers en fait, de ces patients SEP souffrent de spasticité. 21% d'entre eux sont traités par baclofène dans le cadre d'un traitement long donc plusieurs années. La prévalence est stable de cette maladie, hein, c'est issu du livre blanc de la sclérose en plaques, ce qui fait que, et finalement, il suffit simplement d'agencer ces chiffres pour obtenir une file active moyenne en France de 17 000 patients en sclérose en plaques sous baclofène et un volume de 70 millions de comprimés baclofène 10 mg vendus en France, qu'ils soient issus de Sanofi ou de Novartis. Ces données de... Je ne l'ai pas indiqué, c'est indiqué tout en bas, ces données viennent d'Open Health Company. Donc à partir du moment où effectivement un traitement, une molécule a plus de 40 ans de prescription au niveau international ou au niveau de laboratoires mondiaux la distribue, ont des engagements de pharmacovigilance auprès de leur agence sanitaire nationale et qu'il n'y a pas eu finalement de signalement majeur en termes de dangerosité de ce produit, on peut en conclure en fait quant à son innocuité, tout du moins dans les prescriptions neurologiques.
Très peu d'études ont été menées justement sur les prescriptions dites haute dose de baclofène en sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'en France, elle est limitée à 80 mg en ambulatoire et autorisée jusqu'à 120 en dans le milieu hospitalier. Mais néanmoins, la suivante, donc Smith et Hall, présente que sur un échantillon aléatoire de 10% de patients atteints de SEB sur une base de 1120, donc 112 dossiers, âge moyen 45 ans, durée moyenne de la maladie presque 13 ans, durée moyenne du traitement baclofène plus de 43 mois, donc on s'inscrit vraiment cette fois-ci dans un traitement longue durée. 20% de ces 112 dossiers prenaient des doses supérieures à 80 mg jour, pouvant aller pour certains jusqu'à 280. Pour les patients qui avaient pris ou prenaient toujours un traitement supérieur à 80 mg, la dose moyenne était de 141 mg. Donc on est bien au-delà des prescriptions AMM françaises et sur de longues durées. Quels ont été finalement les motifs d'abandon ou de réduction de ce traitement? Vous avez 8 abandons, 24 réductions. Le manque de force physique, c'est un relaxant musculaire, donc peut-être que ça peut provoquer un manque de force physique. Alors, paradoxalement, dans les effets secondaires, enfin les effets indésirables que vous a présentés Sylvie Imbert de l'association Baclofène, le manque de force physique n'a pas été relevé comme un effet indésirable vécu par les patients. Mais peut-être que sur le long cours, c'en est un. Le manque de bénéfices pour 5, puisqu'évidemment, on le voit bien encore, hein, ce n'est pas 100% de succès. Hein. La somnolence, on la retrouve. Les incontinences urinaires, nausées, et puis quelques sans raison. Il est intéressant en fait de s'arrêter brièvement quand même sur la discussion qu'ouvre cette publication. Alors bien évidemment, il confirme que le baclofène est efficace sur la spasticité d'origine médulaire, mais il précise bien que les effets secondaires sont généralement bénins et transitoires. Donc bénins et transitoires, 112 patients sur une longue durée à ces doses, et ces doses qui se maintiennent constamment, c'est-à-dire qu'à la différence d'un traitement pour alcoolodépendance où il y a une montée puis une descente de la posologie, ici on reste sur des posologies élevées et de très longue durée. Mais néanmoins, les effets indésirables disparaissent. Et il regrette qu'effectivement les médecins se limitent à ce plafond de verre de 80 mg alors que certains patients pourraient bénéficier de doses un peu plus élevées. Alors je disais, cette étude est un peu celle qui fait référence, qui fait foi, sur laquelle les médecins, les associations, les patients, nous appuyons pour défendre le fait que cette molécule, même à des doses dites élevées, reste une molécule parfaitement, pas inoffensive, mais a démontré son innocuité. Elle n'est pas inoffensive, elle est même très efficace. Il existe deux autres publications, Jones et Hall, qui sur 113 patients ayant pris du baclofène pour certains pendant 6 ans, sur des posologies allant même jusqu'à 200 mg, il a constaté 4 abandons pour des effets secondaires trop forts, et 20% néanmoins on souhaitait réduire pour ces mêmes raisons. Ce qui veut bien dire qu'il faut lire en creux que 80% des patients qui étaient dans cette étude ont poursuivi ce traitement sans avoir été particulièrement incommodés, gênés ou handicapés par ces effets indésirables. Et puis Pinto et Hall qui ont identifié plusieurs posologies jusqu'à 225 mg sur des périodes allant jusqu'à 30 mois et constatent que nombreux sont les patients en sclérose en plaques ayant besoin de posologies supérieures à 100 mg et qu'enfin les effets secondaires ne sont que rarement un problème persistant. Alors, c'est une petite revue de littérature très brève, mais néanmoins qui nous permet de constater que sur plus de 40 ans, que sur un plan international et dans l'ensemble de plusieurs prescriptions neurologiques, aujourd'hui le baclofène ne soulève pas de débat. Et on soulève effectivement quand il est prescrit maintenant en cause d'addiction. Alors c'est évident qu'à un moment donné, l'Agence du médicament ou les sociétés savantes puissent avoir été alertées, inquiétées, parce que l'explosion des ventes du baclofène à partir de 2008, et c'est surtout à partir de 2010 que l'effet exponentiel s'est vraiment déclaré, sont les suivantes. Vous avez ici l'état des ventes toutes molécules confondues en France depuis 2010 jusqu'à 2015. Alors, nous avons les datas jusqu'à fin août 2016, mais je n'ai pas voulu présenter une année incomplète.
Et on présente ici l'équivalent patient selon la DDD, c'est-à-dire la dose définie quotidienne. Celle qui est définie par les AMM de ces traitements pour toutes les molécules qui sont sur le marché est 52 mg jour, 57 mg jour, qui a été constatée par la CNAM en janvier 2015, lorsqu'elle a établi la moyenne posologique française du baclofène lorsqu'il était prescrit pour addiction. Alors, petite parenthèse, on sait très bien que c'est vraiment infraposologique. Et vous avez effectivement, concernant le baclofène, l'avant-dernière colonne sur la droite, une explosion exponentielle en fait, de vente de ce médicament. Ce tableau aussi nous permet de constater qu'il y a effectivement, le baclofène a été la molécule qui a convaincu beaucoup de malades d'aller se faire soigner. C'est ce qui permet en fait aujourd'hui d'avoir une file active de patients sous soins qui continue d'augmenter et qui est littéralement portée par cette molécule, puisque vous pouvez constater l'effondrement de la comprosate, de la naltrexone et du disulfiram. L'arrivée récente du Nalmefem, bien évidemment, est venue augmenter la cohorte de patients, mais depuis 2010, c'est bien le baclofène qui, en moyenne, a vu ses ventes croître de plus 66% et uniquement pour les prescriptions en addictologie. Donc ça vient aussi redéfinir un peu quelques bruits qui courent. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas 100 000 patients baclofène, 100 000 Selincro et 25 000 le reste. Les chiffres réels du marché sont plutôt de 50 000, 55 000 en baclofène en file active. Et puis les autres derrière enfin, qui reculent avec une montée effectivement du Nalmefen, même si sur 2016, cette molécule voit ses ventes reculer. Donc bien évidemment, à partir de là, il y a eu des inquiétudes, il y a eu des interrogations. L'Agence du médicament n'a pas su quoi faire avec. C'est un fait inédit, c'est porté par des associations, il n'y a aucun industriel derrière. Les industries n'ont pas bougé, ça ne correspondait pas à leurs intérêts. Les sociétés savantes, enfin, ce n'est pas dévoiler de grands secrets que de dire qu'elles sont, étant donné qu'elles sont financées par l'industrie pharmaceutique, ne sont pas portées en fait, au secours de cette découverte, qui plus est, qui était faite en dehors du sérail. Donc à partir de là, la vraie pharmacovigilance, et même si elle n'a pas respecté un design parfaitement orthodoxe tel qu'il pourrait être suivi et devra être suivi demain par l'industriel, a été portée finalement par un groupe d'associations. Certaines se sont exprimées aujourd'hui. La toute première a été Aube, et il est intéressant, puis suivi de Baclofène, qui sont des associations de patients avec des forums internet patients, avec un forum internet médecins, et puis Resab qui vous a été présenté, qui est un outil de formation. Ce qui est intéressant de regarder, ce sont effectivement le nombre de membres, le nombre de postes par jour. Ce sont des forums qui sont extrêmement vivants. Je n'ai pas indiqué ici toutes les chiffres, toutes les statistiques en fait, de ces assos, mais elles regroupent des dizaines et des dizaines de milliers de postes sur des milliers de thématiques liées au traitement, pré-traitement, pendant le traitement, post-traitement, effet indésirable, accident, et qui tous en fait constituent, et c'est une richesse en fait informative qui est folle. Nous ne sommes pas dimensionnés en tant qu'asso 1901 pour pouvoir avoir les capacités de traiter cette information, mais qui constitue en fait un savoir expérientiel fou et qui vient compléter finalement aujourd'hui un savoir scientifique qui vous a été présenté ce matin. Donc la somme des deux fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pharmacovigilance sur ce baclofène. Il est prescrit depuis en off depuis 2006 pour les tout premiers, 2008 et surtout 2010 de façon intense et massive. Et ce sont ces associations qui, notamment, enfin je rappelle, on n'a rien à gagner, c'est gratuit, mais ce sont ces associations qui effectivement diffusent et ont créé ce guide qui, il faut à un moment donné le préciser, a été à l'origine décidé ou tout du moins accepté et financé par la NSM. C'est-à-dire que l'association Baclofène avait présenté un projet, avait répondu à un appel à projet associatif, a été sélectionné, puisque la NSM, bien évidemment, cherche de l'information sur la pharmacovigilance de cette molécule, et l'association Baclofène a consolidé ces différentes enquêtes, en a remené d'autres, des enquêtes qui ont été multiples, hein, qui n'en a pas eu qu'une en 2005, il y en a d'autres, et qui ont permis en fait de sortir ce document qui serait, si cet assaut était peut-être un peu mieux designé, serait véritablement publiable, peut-être dans une revue un peu plus
dans une revue, finalement, pour avoir quelque chose qui soit sérieux. Il est un peu regrettable que la NSM ait ensuite retiré ce mandat, n'a pas retiré son financement, bah, stoppé, a gelé les comptes. Bon, heureusement, le guide a vu le jour. Il a été produit à plusieurs milliers d'exemplaires. La vidéo a vu le jour, elle a été financée. Maintenant, effectivement, il n'y a pas le logo ANSM sur ce document. C'est ce qui est finalement un petit peu dommage et qui, à mon avis, illustre bien le chemin qui reste à parcourir. C'est-à-dire que Patrick de Lasselle vous disait, dans les formations RESAB, il y a des médecins experts, des primo-prescripteurs, qui connaissent parfaitement ces prescriptions. Et puis, il y a des patients experts. Sylvie en fait partie, Jacques Bérard en fait partie, j'en fais partie. Et c'est vrai que les médecins nous voient arriver au début en se disant « Mais c'est qui ces gars-là ? Enfin, de quoi ils vont nous causer ?» Et en fin de journée, il y a vraiment eu un point de bascule qui se passe à un moment donné. Et on est entre pairs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus médecins qu'ils ne sont patients, et la réciproque est vraie. Et on est vraiment là pour échanger. Et je pense que le fait que la suppression de ce logo ANSM sur ce guide, qui est vraiment d'une qualité fort remarquable et qui est le seul document aujourd'hui qui éclaire en termes de pharmacovigilance sur ce traitement, marque le manque qu'il y a encore et la prise de conscience que doit opérer cette agence sanitaire. Bien évidemment qu'on a un rôle de militant, on fait du militantisme, on agite les médias, on fait du bruit. Parfois on a des phrases un peu offensives, on s'emporte, c'est évident, c'est un médicament qui sauve des vies. Mais derrière, il y a quand même un savoir un travail qui est très rationnel, un savoir expérientiel dont devraient profiter finalement ces agences sanitaires. Deuxième point de cet exposé, je vais peut-être accélérer un peu, en remplacement donc de Benjamin Roland, le baclofène n'a pas respecté tous les codes finalement, pas de phase 1, pas de phase 2. La phase 3, Alpadir, Baclovil concernant la France, la RTU qui a été obtenue en 2014 et qui, selon toute vraisemblance et en fonction du calendrier de l'industriel qui arrivera sur le marché peut-être fin 2017, début 2018, devait être reconduite. Et auquel cas, le communiqué de presse que la NSM a sorti hier visant à intégrer les conclusions du CSST nous semble, nous en tout cas, très favorable. On s'en félicite. Mais à partir du moment où l'AMR arrivera sur le marché, bien évidemment, il faudra, en termes de phase 4, faire toute une pharmacovigilance classique. Ce sont les trois premières lignes, mais qui a déjà commencé, finalement. C'est l'étude baclofone. L'étude baclofone, c'est une étude en vraie vie. C'est une étude de pharmacovigilance en vraie vie qui a débuté en février 2016. Ce qu'on appelle une pharmacovigilance participative avec l'implication des patients. Le principe est effectivement d'inclure des patients sous traitement baclofène, de les enregistrer dans cette étude et d'avoir un suivi téléphonique mensuel avec eux, avec un questionnaire très précis sur le niveau de consommation d'alcool, le parcours thérapeutique du baclofène et éventuellement des traitements parallèles ou nouveaux qui pourraient se présenter et qui va venir en fait s'intéresser aux événements indésirables. 792 patients sont suivis pendant un an après l'initiation et c'est véritablement une étude systématique d'imputabilité des événements indésirables. En l'occurrence, on parle souvent d'événements indésirables, d'effets indésirables, d'effets secondaires. Les effets secondaires sont des effets qui sont directement liés à une molécule. Or, un événement indésirable peut très bien être une météorite qui tombe aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai pris du baclofène qu'elle va tomber. Le but de cette étude est effectivement de séparer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire de voir quels sont les événements indésirables qui n'ont rien à voir avec ce traitement, des réels effets secondaires du baclofène. C'est un recueil longitudinal exhaustif donc, qui va recueillir effectivement les doses d'alcool, de baclofène, qui va mesurer l'évolution du craving. Elle a démarré en février 2016 sur la région Hauts-de-France. En novembre, elle va s'étendre sur la Normandie et janvier 17, Bretagne et Pays de Loire. Donc, c'est une étude qui est multirégionale et dont la dimension nous permettrait, on l'espère en tout cas, d'avoir un très bon recueil d'informations. Elle va durer à peu près 3 ans et sera soumise à une publication. Des points seront régulièrement réalisés, des points d'études, d'étapes seront réalisés. On n'en a pas encore mis en place, mais le prochain devrait arriver à l'automne avec une volonté qu'il soit semestriel et peut-être ou pas de communication derrière.
Voilà, pour l'équipe scientifique, c'est le docteur Benjamin Roland qui dirige cette étude. Et il faut quand même noter qu'en termes de financement, c'est une étude qui est entièrement financée sur fonds publics. La notion, les différents thèmes de liens d'intérêt qui ont pu être émaillés ou échangés ce matin n'ont pas lieu d'être, en tout cas, ne touchent pas cette étude. Et enfin, le comité scientifique indépendant est constitué en fait d'associations qui, vous voyez, généralement ne faisaient pas très bon ménage, la NPA, la SFA et nous, associations pro-baclofène, n'étions pas toujours tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde. Il s'avère en tout cas que au début de la rédaction du protocole de cette étude, Benjamin Roland s'est aussitôt tourné vers nous, intégré donc les assos Olivia Mézène, Baclofène et Aube. Et une fois que cette étude a obtenu son financement, nous ont rejoint à ce moment-là la SFA et la NPA pour avoir une table qui soit paritaire. Cette étude est donc lancée. La pharmacovigilance existe, cette fois-ci dans un design qui est un peu plus précis. Mais ce n'est pas la dernière chose, c'est-à-dire que on parlait de changement, de nouveaux paradigmes. On parlait de liens d'intérêt. Il faut parler finalement de collaboration entre les associations que nous sommes, entre l'industriel qui va obtenir son AMM pour le médicament, parce que nous visons le même marché, mais avec des stratégies différentes, avec des intérêts différents, mais nous avons effectivement des actions qui peuvent être complémentaires, parfois d'autres sur lesquelles on va venir échanger ou faire quelques bras de fer. Mais néanmoins, il y a un montage qui est en train de se faire en ce moment, depuis quelques mois, entre alors, l'association Olivier en tant que représentant des quatre associations, le laboratoire Ethypharm, qui concourt effectivement à son AMM baclofène, et la société Open Health Company, qui est un industriel français des data pharmaceutiques et qui nous fournit depuis quelques temps un suivi en temps réel des ventes de baclofène uniquement pour addiction en France et nous alimente une à deux fois par an sur l'intégralité des data de vente toutes molécules. Open Health détient une database d'environ 65 000 patients dont plus de 11 000 ont au moins 10 prescriptions de baclofène. Et ce sont ces données chaînées que nous allons tous les trois travailler dans un partenariat, un accord de co-développement, pour effectivement suivre cette étude, enfin faire une étude de cohorte rétrospective depuis 2011, date des premières données chaînées qu'il possède, et puis suivre l'usage du produit en vie réelle et que ce soit disponible online. Ça va nous permettre finalement de nous éclairer, d'avoir une meilleure connaissance, maîtrise des consultations, des parcours thérapeutiques, de l'origine de la délivrance, du profil des patients, de la dépendance, comment est-ce qu'elle se traduit, à quel niveau elle est, et des données médicales, à savoir quelles sont les autres molécules qui sont prescrites en même temps, qui arrivent, qui disparaissent. Tout cela va nous permettre en fait d'avoir une meilleure compréhension des parcours médicaux des patients qui rentrent dans le baclofène pour addiction et vérifier finalement le schéma que vous a présenté Philippe Jury, qui est celui d'une titration stabilisation descente, et bien d'aller le confronter à la vie réelle parce que lorsque l'association baclofène, au terme de ses enquêtes, établit, et à partir de plusieurs centaines ou milliers de réponses, que la dose efficace moyenne constaté pour ceux pour lesquels ça réussit est de 182 mg. Il faut confronter ces 182 mg aux 57 mg de niveau de prescription, enfin de posologie moyenne aujourd'hui, prescrit en France. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est totalement infrathérapeutique, mais si c'est 57 mg alors que 182 sont efficaces, comment en fait sont la réalité des parcours thérapeutiques des patients? Et cette étude de données chaînées va nous permettre en fait de mieux comprendre effectivement comment est-ce que l'on va pouvoir améliorer le taux de succès de ce traitement. Alors, c'est une sorte d'innovation de rupture, dans la mesure où ça ne date pas d'hier, des collaborations laboratoires-associations. Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y aura aucun flux financier entre nous. D'ailleurs, à ce titre, l'association Olivier Damézène n'a pas de compte bancaire et n'en aura pas. Toutes les opérations que nous menons, nous les faisons en fait en montant des accords dans lesquels chacun
co-investit quelque chose pour en retirer lui-même son profit, enfin son profit en termes d'information et de connaissances en ce qui nous concerne. Donc il n'y aura pas de flux financier entre nous. Ni l'un ni l'autre ne donnera plus aux autres que ce qu'il reçoit, vraiment, mais chacun dans une corbeille nos compétences et nos ressources pour véritablement, nous trois, avoir une meilleure lecture de ce qui se passe dans la réalité, et chacun va réexploiter ça ensuite chez lui selon ses propres intérêts. Voilà. Je profite de cet après-midi pour saluer Claude Goffard, qui nous a quittés un peu rapidement. Pardon. Et bon, merci pour votre écoute.